Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. On va droit au but, le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos de la torsion de l'ovaire. Alors, la torsion de l'ovaire, c'est ce twist, cette rotation, cette décature de l'ovaire sur lui-même qui provoque un blocage de l'apport sanguin à l'ovaire. Alors, les kystes de l'ovaire augmentent le risque de torsion. Alors, les kystes qui sont au-delà de 4 cm sont associés avec 17% de risque. La torsion cause une obstruction des vaisseaux sanguins et cela aboutit à une infarction. Alors, l'ovaire du côté droit est plus touché que l'ovaire du côté gauche à cause du ligament utéro-ovarien droit qui est plus long que son homologue du côté gauche. Alors, quels sont les facteurs risques de la torsion de l'ovaire? Alors, l'âge, la prédominance, elle survient surtout entre les tranches de 20 et 30 ans. La grossesse, prédispose à la torsion de l'ovaire. Les techniques qui induisent l'ovulation prédisposent aussi à la torsion de l'ovaire. Et bien entendu, les tumeurs bénignes de l'ovaire prédisposent à la torsion. Alors ici, cette vue, c'est pour montrer que le réseau vasculaire qui alimente l'ovaire est très dense. Et donc, quand ce réseau est interrompu, cela cause une nécrose. Alors, le maître symptôme de la torsion de l'ovaire, c'est la douleur. C'est une douleur abdominale, abdominopelvienne qui est intense. Et cette douleur, elle survient dans 90% des cas. Elle est unilatérale avec une douleur annexielle dans 80% des cas. Alors, cette douleur est accentuée par le toucher vaginal quand il essaie de faire la déviation de la trompe vers le côté atteint. Il peut y avoir un saignement vaginal, mais c'est rare. Il ne survient que dans 4% des cas. Alors, torsion de l'ovaire, le diagnostic, il est par échographie, les ultrasons. Les ultrasons par voie transvaginale, c'est le diagnostic positif. Alors, les ultrasons, ils vont montrer une diminution du flot, du débit sanguin des vaisseaux de l'ovaire et permettent d'éliminer aussi une grossesse, une éventuelle grossesse. Alors, on arrive au diagnostic différentiel. Donc, il faut, devant une torsion de l'ovaire, il faut penser aussi à la grossesse extra-utérine. Il faut aussi penser à l'abcès tubo-ovarien. Il faut éliminer un kyste ovarien hémorragique, une endométriose. Et surtout, il faut penser à un abdomen aigu. Alors, le traitement de la torsion de l'ovaire, c'est une urgence chirurgicale parce qu'il faut essayer de sauver l'ovaire et la trompe parce que si ils sont touchés par la nécrose, à ce moment-là, la salpingo-ophorectomie est obligatoire. Alors, il faut se rappeler qu'un kyste ovarien qui est rempli de liquide dans l'ovaire, il est souvent asymptomatique. Il peut produire des douleurs abdominales qui sont légères ou des douleurs lombaires, mais dans la majorité des cas, ces kystes sont inoffensifs. Mais des fois, ils peuvent être rompus et causer une torsion de l'ovaire et si la torsion arrive, la douleur, elle est tellement intense qu'elle arrache des cris
à la patiente. Alors, cette douleur s'accompagne de nausées, de vomissements et peut aller jusqu'à une syncope. Alors, voici un cas clinique. Une patiente de 30 ans arrive aux urgences avec une douleur intense du flanc droit. La douleur a débuté il y a environ 4 heures et s'est aggravée. Ces dernières règles remontent à il y a 2 semaines et présentent une température de 37 degrés Celsius et une tension artérielle de 130 sur 75 avec un pouls de 85. La douleur prédomine dans le quadrant inférieur droit et l'examen pelvien montre une douleur annexielle droite. Le col est fermé malgré quelques gouttes de sang. Le test de grossesse est négatif. La question est, quelle est la cause probable de ce tableau? 1. La diverticulite. 2. La torsion ovarienne. 3. L'appendicite aiguë. 4. La grossesse extra-utérine. Quelques secondes pour réfléchir sur la question. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 2, torsion de l'ovaire, bien sûr. On élimine la diverticulite. Pourquoi? Eh bien, le tableau ici décrit dans la présentation, c'est un tableau à droite, alors que la diverticulite survient dans le tableau gauche. Dans la fosse iliaque gauche, avec une prédominance au troisième âge, à 50-60 ans. Ici, nous sommes en présence d'une patiente de 30 ans. L'appendicite aiguë, avec une fièvre, avec une température de 37 degrés et une tension artérielle normale et un pouls normal, on exclut le diagnostic d'appendicite aiguë. La grossesse extra-utérine, le test de grossesse est négatif. Donc, on retient la réponse numéro 2, qui est la torsion de l'ovaire. Alors, grossesse extra-utérine, les ultrasons transvaginale à la recherche d'une diminution du flot ou même d'une absence du flot. C'est une urgence chirurgicale pour sauver l'ovaire et probablement la trompe de Fallot. Mais s'ils sont atteints de nécrose, on préconise la salpingo-ophorectomie. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine et 2 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.